Dans la vidéo passée, nous avons le premier aspect du contrôle, encore le premier type de contrôle, là, qui est le contrôle administratif a priori. Donc, nous connaissons le ministère de l'économie avec la finance, les mêmes effets. Eh bien, comme nous connaissons tout, il y a des organes, ces organes qui, si nous avons dit, qui ont exécuté, qui ont fait action, hein, eh bien, ils sont venus avec un autre système externe. Qui gagne l'autre acteur qui est en dehors. Donc, c'est ça, nous venons de jouer un contrôle qui permet que le contrôle interne les mêmes les balancer. Et des institutions qui sont placées pour faire le contrôle ex-post, ça, si nous avons dit contrôle externe, ça, eh bien, il parle l'autre que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Et deuxième, c'est le Parlement. Mais comme nous avons dit, nous finissons le premier contrôle là, nous avons le deuxième qui est le contrôle juridictionnelle là qui est la Cour supérieure des comptes lui-même. Normalement, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif li fait contrôle après dépense pour le capable de garder est-ce que dépense a été faite suivant norme qui était fixé. Donc, les mêmes les viennent faire contrôle li pour le garder si tout a été respecté, si tout cadre légal qui est établi pour ça été respecté, est-ce que le travail qui était dû faire là li fait exactement. Donc, la Cour supérieure des comptes li joue rôle ça. Mais en pile monde qu'on dit la Cour supérieure des comptes les jouer et il fait contrôle administratif là tout. Oui, il fait par exemple sur tout projet de contrat qui pourra le signer que l'État engagé là-dedans et bien la Cour supérieure des comptes nous connaît faut qu'il baille approbation. Donc tout contrat ça il doit approuver par la Cour supérieure des comptes et bien c'est ça qui vient faire non seulement il fait contrôle juridictionnel là mais il fait un contrôle administratif tout. Donc toujours dans contrôle a posteriori hein, et bien la Cour des comptes lui-même il est là pour les juger les comptes des comptables publics puisque comptables publics tout eux-mêmes c'est un acteur dans exécution. Donc c'est eux-mêmes qui là qui pour payer ou encore qui pour exécuter dépenses l'État. Et bien à la fin de l'année, disons à la fin de l'exercice fiscal, et bien la Cour supérieure des comptes il vient pour venir en après pour le garder. Est-ce que tout compte comptable public est géré? Est-ce que toutes dépenses sont exécutées ou même tout ont été respectées ensemble des principes qui étaient de respecter? La Cour supérieure des comptes est là pour les exécuter, si nous avons dit, pour les travail de concert avec le Parlement. Donc, si le Parlement, par exemple, dans le cadre de contrôle par les a fait tout lui-même, puisque nous connaissons des instances qui font contrôle après, et bien, il est capable de solliciter la Cour supérieure des comptes pour réaliser des enquêtes pour lui, pour le capable bien gagner des données qu'il a besoin. Par exemple, dans le dossier Petro-Caribéen, bien, nous avons que qui était devant le Parlement, et bien, à travers différentes commissions qui ont traité les finances en bas, dans le cadre de contrôle par le café, bien, après, il était sollicité. Aide, si nous sommes capables de dire la Cour supérieure des comptes, et nous connaissons la Cour supérieure des comptes qui a réalisé rapport audit, disons, contrôle sur dépenses qui étaient liées à Petro-Caribé, et nous connaissons rapport qui était sorti. Kounia, la Cour supérieure des comptes, les joue un rôle bras technique, si nous sommes capables de dire tout pour le Parlement. Donc, bras technique, là, veut dire, il y a travail de concert, si il y a une consultation au besoin, si il y a des enquêtes au besoin réalisées, eh bien, la Cour supérieure des comptes, est là pour les réaliser ensemble d'enquêtes. Donc, il est important pour nous garder le deuxième type de contrôle là, qui est le contrôle juridictionnel, administratif, l'ambato était sur lui, puisque nous disons que c'est l'instance qui fait le contrôle par là après. Donc, il vient garder organe qui tape exécuté, mais il y a un déo. Donc, il vient garder le contrôle qui fait après sous dépenses.
Dans la troisième vidéo, nous allons voir la deuxième institution qui vient à faire contrôle en après, qui parle l'autre, troisième type de contrôle là, qui c'est contrôle parlementaire ou encore contrôle politique que le Parlement lui-même a exécuté.